Hey, salut à tous, c'est Justine Galis et bienvenue pour votre nouvelle séance de fitness spéciale Booty Pump. Toujours en partenariat avec LPG, c'est notre dernière séance booty du programme Zéro Excuse. Ça va piquer dans les cuisses, ça va piquer dans le booty. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chauds, que vous êtes motivés. C'est parti. On commence par corde à sauter. Nous a mimé comme si on avait une corde solide entre les mains. On peut croiser, décroiser, on est sportif ou pas. Allez, on enclenche la séance. Ça permet de venir réchauffer vos chevilles, la plante de pied, les mollets, les cuisses. On va avoir une séance qui va être très très fun aujourd'hui pour notre dernière séance booty. J'espère que vous allez tout donner. Pensez à bien prendre des charges d'au moins 3 kg minimum pour vraiment avoir un bon ressenti et accentuer le travail. 45 secondes de plage d'effort, 15 secondes pour les transitions, non-stop, pendant une trentaine de minutes, ça va faire du bien. Allez, accrochez-vous. Récupération, vous pouvez venir également un petit peu étirer le bas du corps, n'hésitez pas. Pour bien activer, on se réveille, allez la team, motivé aujourd'hui. On va partir en fente latérale, ici, vous mettre sur un côté de votre tapis, on descend sur le côté. Et on jump la jambe, et on pousse et on revient. On descend, on jump, et on ramène la jambe. On descend ici, on jump, et on ramène la jambe. On se sert de l'élan de la cuisse ici pour hop, se ramener. Allez, cuisse en béton, on active. Encore, gardez le dos droit, belle fente latérale, jump, et tu reviens. C'est bien. Encore. 15 secondes. On va avoir plein d'exercices mêlant cardio et musculaire pour venir taper dans le gras, dans la cellulite, dans la culotte de cheval. Et croyez-moi, c'est redoutablement efficace. On passe à l'autre côté, on récupère pendant encore quelques secondes. Comme ça, on a vraiment le temps, pendant les 45 minutes d'effort, de justement donner tout ce qu'on a. On rebascule sur le côté maintenant. Et on reste. Descendez bien en bas. Jump. C'est là que vous allez sentir votre cuisse. Si vous faites juste un petit écart pour lever la jambe, vous n'allez pas avoir un vrai bon ressenti. Allez, belle fente latérale sur le côté. Prends de la profondeur. Jump le genou. Et tu reviens. Encore. Super. C'est bien la team. Accrochez-vous. Et on pousse. Encore 10 secondes. C'est bien. Gardez le dos droit. Viens chercher haut le genou. Et récupération. Ça déverrouille bien. Hein. Commence bien cette séance. On va avoir des bons résultats. On va partir en squat rebond. Tout simplement, on va descendre le plus bas possible. On va faire 5 rebonds. Puis on va écarter. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on resserre. 1, 2, 3, 4, 5. On reste en bas. On serre. 1, 2, 3, 4, 5. Pousse bien les jambes. Fais ça en arrière. Et hop, t'écartes un peu plus en sumo. 4, 5. Tu resserres. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu continues encore. 1, 2, 3, 4, 5. Ici en arrière, dos droit. Tu resserres. Allez, encore, encore. Redresse-toi pas, reste bien en bas, fessier en arrière. 2, 3, 4, 5. Et on continue. Et on récupère. Ça a bien cuit. Bien brûlé les cuisses. Ça a bien cuit. Oui, ça a bien cuit. Ça a bien cuit tes cuisses. On respire. On va partir en squat. Puis talon fesse. Descends bien en bas. Tu viens chercher. Fesse droite, fesse gauche. Squat. Allez, accélère, dynamique. Gauche, droite, squat. Encore. Descends bien profond, ici. Accroche-toi. Et on accélère. Allez, la team. On les veut, ces jambes de rêve. On les veut, ces fessiers musclés, dessinés, bombés. Encore. C'est bien. Squat profond. Tu peux même prendre un haltère supplémentaire si tu le souhaites. Squat.
Descends. Super. À propos d'haltères, c'est le moment de prendre les deux haltères. Et là, crois-moi, si t'as 3 kilos dans chaque main, 6 kilos, ça a pesé sur tes épaules. On va basculer tout de suite. Ici, on va descendre en thruster. 3, 2 et 1. C'est parti, on descend bien en bas. Et on développe. Au-dessus de la tête, c'est bien. Continuez. Plus votre haltère est léger, plus vous êtes explosif. Encore. On s'accroche. Descends bien en bas. Tu te sers de l'impulsion de tes jambes pour expulser ton haltère au-dessus de ta tête. Encore. Accroche-toi. Allez la team. 8 secondes. Encore, accroche-toi. Accélère. Tu peux encore en faire quelques-uns. Et top, récup. Super, c'est bien. On va partir, on a un exercice un peu plus explosif. Squat genou plus jump. Positionne-toi au sol, sur les genoux. On est prêt? On va passer en squat genou. Tu te redresses, tu descends, tu fais un squat. Tu descends sur les genoux ici, position basse. Tu te redresses, squat simple. Tu redescends, encore. Et tu redescends. Allez, accroche-toi. Super. Allez, lâche rien. On se redresse. Squat simple. Et on redescend. Encore. Squat simple, fesses en arrière. Et tu redescends. Accélère. Et récupération. Super. On va passer en fonte latérale avec bascule d'haltère. Donc écartez bien les jambes ici en V. Inversé. Gardez un haltère dans une main. Et on va venir ici basculer de gauche à droite. On garde le dos droit. Et on active la cuisse opposée. On est penché légèrement vers l'avant, jambes bien tendues. On cherche bien la profondeur. Et on alterne au niveau de l'haltère ici. On va basculer de la gauche vers la droite. Vous pouvez vous aider, bras tendus ici pour de la stabilité. Et on cherche bien en bas. Allez, encore. Super. 15 secondes. Allez, descends bien en bas ici. Encore. 8 secondes. C'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. On se redresse. Et on redescend ici en bas. On vient toucher sur le côté. Squat ici en bas en isométrie. Et on jump. On revient à nouveau en squat en bas. Touch côté. Plus jump. Allez, accroche-toi. Gauche. Droite. Et tu jump. Allez, fesses en arrière. Et tu jump. Encore. Gauche. Droite. Et inversement. Allez, accroche-toi encore. 15 secondes. Touch bien loin et jump bien haut. Encore. Dos droit, le bassin bien en bas. Fessier bien en bas. Allez. Plus bas encore. C'est pas juste à les fesses en arrière. Tu as un touch côté. T'es vraiment sur le bas. Et tu jump. C'est bien. Allez, lâchez rien la team. On va basculer en fente arrière avec petit rebond. Tout simplement. Pour venir encore plus solliciter les fessiers, on vient chercher une jambe à l'arrière, 1, 2, et on revient, 1, 2, et on revient, encore, 1, 2, et on revient, on peut même prendre un haltère pour ajouter de la charge supplémentaire, encore, 1, 2, et on revient, 1, 2, et on accélère, super. Allez, lâchez rien.
Encore. Et on récupère. On va passer tout simplement à l'autre côté. En non-stop, sans s'arrêter. Accrochez-vous. On récupère encore 3 secondes. Et on va basculer sur la jambe opposée. On est prêt? C'est parti. Allez, restez concentrés, allez chercher loin derrière. Profond, encore. Ici, petit rebond. Accroche-toi. 20 secondes. Encore. C'est bien. 10 secondes. Trois, deux, un. Super. Allez, ne lâchez rien, la team. On est concentrés, on est ensemble. On va partir en soulevé de terre. Jambe droite ou jambe gauche. Donc, ça va demander un petit peu de stabilité. Ici, vous gardez la jambe gauche d'appui. Vous la fléchissez légèrement. Et on va chercher loin derrière. On n'arrondit pas le dos. On peut avoir une légère stabilité. Si c'est trop dur, vous pouvez avoir un pied au sol ici. Pour venir vraiment chercher l'arrière de la cuisse et tirer vraiment. C'est ce qui va aussi créer un joli galbe au niveau de votre fessier. Plus la cuisse ici est dessinée, musclée, plus vous avez ici le fessier rebondi. Accrochez-vous. Et si c'est facile, on crée de l'instabilité. Contrôlez votre mouvement. Ici, on est moins dans la vitesse. On est plus dans le contrôle musculaire, un peu moins cardio, tout aussi efficace. On travaille différemment, on se concentre. Allez, encore. 3, 2, 1, on change de jambe. Je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez bien me voir. Si c'est trop dur, ici. Ou si vous êtes gêné par l'instabilité. Encore. Allez, c'est bien. Allez, on se concentre sur la jambe d'appui. Encore. On va chercher le plus bas qu'on peut en fonction de sa souplesse et de sa mobilité. Ça ne sert à rien de descendre trop bas. C'est pour venir arrondir le dos. Super. Allez, restez concentrés. Encore. On va venir poser l'haltère ici. On va passer en demi-burpees plus tap. Cheville, on est prêt? C'est parti. Demi-burpees, je vous rappelle les points clés. On ramène ici, on reste en bas. Touch cheville. Ici, on se redresse, dos droit. Touch cheville avec les deux pieds. Touch, touch. Encore. Je mets face à vous. Allez, accrochez-vous. On ramène. Ici, super. Sans pompe, sans se relever, on vient tendre les jambes. On ramène ici, dos droit, touch, cheville, encore, c'est bien. 15 secondes. Accroche-toi. Allez, accélère. Moins de 10 secondes. Tu peux le faire. Encore, 3, 2, et on se redresse. Super, récup. On souffle. C'est bien. Ça pique ou pas? Bien sûr que ça pique. Je vous entends transpirer à la maison. Je sens la sueur à travers votre écran. Ok, on descend en squat. Extension côté. On descend bien en bas, squat bien profond. Encore. Allez, viens chercher haut sur le côté ici. Allez! Et respire bien. Extension. Ici. Super. Allez, plus bas. Accélère. Encore. 15 secondes. C'est rien, 15 secondes. Le temps que je te parle, t'as bientôt fini. Encore. Super. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, super, c'est bien. Allez, respire, reprends un petit peu de souffle. On va passer au sol. On va passer avec un combo de hip thrust. Toi-même, tu les connais. Viens prendre un de tes haltères. Mets tes pieds en papillon. Hip thrust frog. On va venir soulever le bassin. En direction du plafond avec l'haltère positionné juste dessus. Tes fesses ne viennent pas se reposer au sol. Les genoux sont écartés vraiment sur les côtés et pas en direction du plafond. Allez, accélère. Allez, viens casser des noix. Casse-moi des petites noix avec tes petites fesses. Encore, accélère. Allez, c'est bien. C'est plus des noix qu'on va casser, c'est des noix de coco. Encore. Allez. Accroche-toi. 5 secondes. Parfait, tu restes ici, tu récupères 15 secondes et on passera ensuite en thrust, jambes alternées ici. Le but, c'est de créer encore un peu plus d'instabilité. On s'allonge de nouveau sur le dos, ici. On lève le bassin, ici. Bras contre le sol et on vient alterner la jambe. Encore. Et si tu as bien levé le bassin, essaye de garder le bassin le plus haut possible. C'est surtout ça, on a tendance, sans s'en rendre compte, à avoir le bassin qui redescend. Si tu le gardes bien haut, c'est là que tu vas venir encore plus travailler. Quand tu vas monter la jambe ici, le fessier opposé est encore plus de s'activer. Alors accélère. Encore. Gauche. Droite. Super. Allez, 10 secondes. Tu peux le faire. Récup, super. Reste à nouveau sur le dos, on continue toujours en variante de hip thrust. On va passer un genou sur la jambe d'appui. On va faire le même mouvement, vous allez voir, ça va compliquer un petit peu la chose. Accroche-toi. Encore, allez, combo, viens chercher le plus haut possible. Lève le bassin, encore. Allez, plus haut. Accélère. Plus de reps. Il reste 25 secondes. C'est rien, 25 secondes. Tu peux le faire. Allez, active. Allez, la team. C'est là qu'on va avoir le booty. C'est avec tout ce qu'on a fait avant qu'on va avoir des résultats. Vous êtes à la quatrième semaine. Vous n'allez pas abandonner maintenant. Ça pique. Même si vous faites cette séance comme ça par hasard, vous dissociez du programme, ça piquera toujours. On peut tendre un petit peu les bras, les jambes. Tendre un petit peu vos jambes pour les engourdir. On va passer ensuite le genou sur la jambe opposée. On va faire la même chose de l'autre côté. On est prêt? C'est parti. Allez, accrochez-vous. C'est bien. Allez, accroche-toi. 15 secondes. Allez, monte le bassin le plus haut possible ici en direction du plafond. Encore. Plus haut. Concentre-toi sur ce mouvement. Allez. Fesse gauche ou fesse droite. Accroche-toi. Encore. Super. Ok. Redresse-toi. Récupère pendant 15 secondes. On va reprendre dans 4, 3, 2. On va se positionner au sol, ici en climbers, plus extension et fessier. On ramène la jambe, extension fessier. Si c'est trop difficile, tu poses ton genou au sol et tu viens chercher loin, ici avec ta jambe. Essaye de monter assez haut ici pour venir contracter le fessier. Allez, encore 15 secondes. Allez, accroche-toi. Gros renfort ici. 3,
2 et 1. Super. On récupère quelques instants à passer sur la jambe opposée. De l'autre côté, accroche-toi, n'hésite pas à te replacer un petit peu parce que les mains glissent en fonction de son training. Bien sous les épaules. 3, 2, 1. Super. C'est super. Allez, accroche-toi. Ramène en clean burst. Bascule même un peu avec la plante de pied. Encore. Positionne-toi bien. N'hésite pas à réajuster tes mains, tes pieds pendant ton workout. Allez, gain. Serre bien le ventre aussi. Extension. Allez, 10 secondes. Garde la jambe tendue, toujours si tu as besoin. N'oublie pas hein, tes options sur le genou. Toujours. Récup, super. Allez, c'est bien, ne lâche rien. On va rester ici. On va passer en bière planque à 90. On va se repositionner en position de l'ours. Doigt de pied ici planté dans le sol. On va venir décoller les genoux. Une fois que tu as stabilisé ta position bière planque, tu viens monter la jambe ici. Essaie de garder les genoux proches du sol. Et si c'est trop dur, tu poses les genoux et tu le fais en simple ici, et tu fais un petit rebond pour vraiment encore plus activer les fessiers. Allez, accroche-toi. Cinq, quatre, trois, deux, et un. Super. Accroche-toi. On va rester à nouveau en position à quatre pattes. On va venir tendre la jambe gauche et faire des extensions de haut en bas. Tu es prêt? C'est parti. Encore. Reste concentré, dos neutre, c'est bien. Allez, bien chercher, bien en bas, tu peux même toucher le pied et hop, tu montes bien en haut. Tu peux décomposer, poser le pied, monter, encore. Plus tes mouvements seront grands, c'est pas des petits battements, c'est des grands battements. Accroche-toi, 10 secondes, c'est bien. Allez, lâche rien. Ça pique, hein, ça tire dans tes cuisses. Encore, 3, 2, 1, ok, super. On va passer à la jambe opposée. T'es prêt? Super. Allez, tiens le coup. Tends la jambe ici. C'est parti. Tu vas voir, il est possible que tu sentes plus de facilité dans une jambe que l'autre, dans un fessier que l'autre, que tu aies plus de ressenti d'un côté que l'autre. C'est tout à fait normal. Ça va venir au fur et à mesure. Tu peux aussi avoir les courbatures de la séance d'hier qui te tirent, c'est normal, c'est pas un problème. Accroche-toi. Secondes. Allez, encore. Plus haut. Allez. Un beau mouvement. Viens chercher. Encore. 3, 2, et 1. Super. Tu resteras en position à quatre pattes ici, les bras bien ancrés dans le sol. Je te conseille de mettre ton genou d'appui bien au centre sous ton bassin. Et après, on va venir tout simplement faire des extensions à 90 sur le côté avec la cuisse. Des relevés de jambes plutôt que des extensions. Ici. Essaye de monter le plus haut possible. Gardez les bras bien tendus. Et tu actives. Encore. Si tu as des élastiques ici, tu peux en rajouter. Juste, mais pas une résistance trop forte pour tenir quand même pendant les 45 secondes d'effort et arriver à faire un maximum de répétitions. Parfois, les élastiques sont trop rigides et on fait peu d'amplitude et peu de mouvement. Encore. 10 secondes. Accroche-toi. Là, déjà, normalement, même sans élastique à vide, tu sens que ça pique. Allez, viens chercher vraiment sur le côté. 3,
2 et 1. Super. Voilà. Je vais mettre de face à vous. Ça, vous allez bien me voir. Vous voyez la jambe ici qui est vraiment bien au centre pour stabiliser, qui va nous servir d'ancrage. On va rester encore 5 secondes. On passera donc sur la jambe droite. On est prêt? Allez, c'est parti. Ici, sur le côté. On essaie de ne pas trop pivoter côté droit et on s'accroche. Allez, encore. Stabilise-toi. Accroche-toi. 20 secondes. Allez, ça pique. On continue la team. On ne baisse pas, on ne s'arrête pas. On ne pose pas le genou au sol, on continue. Allez, accrochez-vous. Allez, monte bien sur le côté droit. Essaye d'aller chercher le plus haut que tu peux. Fonction de ta souplesse. Encore. C'est bien. 3, 2 et 1. Super. Allez, on lâche rien la team. On est encore ensemble, c'est pas fini. La séance n'est pas terminée, on continue. On va partir sur un finisher un peu plus cardio. On va faire un jump avant, on va revenir en petit work. On est prêt? Allez, c'est parti. Jump avant, 1, 2, 3, 4, super. Jump avant, 1, 2, 3, 4, super. Encore. On descend. On continue de faire des petits sauts pour le retour. 1, 2, 3, 4, super. Encore. Jump avant, allez la team. Descends et tu twerk. Allez, encore, c'est bien. On continue. Allez, essaye d'aller chercher le plus loin possible. Jump bien en avant. Tu peux passer facilement. Squat profond si c'est trop facile. Et on continue. Et récup. On récupère. On va passer ensuite en squat bien profond. On va presque venir toucher nos fesses contre nos talons. On va décoller les pieds, passer les genoux vers l'avant et on descend bien en bas. Et si tu décolles vraiment les talons, tes fesses viennent toucher tes chevilles et on accélère. Encore. Garde le dos droit, bascule bien les genoux à l'avant. Encore. C'est parti. 20 secondes. Fais dans le plus que tu peux. Descends bien en bas. Allez, plus que 10 secondes. Encore. Quatre, trois, deux et un. Super. Reprenez votre haltère. On va passer en swing de niveau. On l'a déjà fait normalement pendant le programme. Donc on va venir, je vous montre de profil. Basculer avec le bassin. Et on est en bas. Et c'est le bassin qui vient créer le mouvement de balancier de l'halter. Pas les bras. Ici le but c'est pas de basculer l'halter le plus haut possible bien sûr. Ça crée en plus de ça une petite instabilité. Plus le mouvement est dynamique, plus c'est facile. Plus vous le faites au ralenti, plus c'est difficile. Pousse les fessiers en arrière, ici. 3, 2. Super! Ok, super, c'est bien. On va finir en exercice de la muerte. Squat 3 rebonds. Relâchez-vous, cette fois-ci en dynamique, ça va piquer, c'est parti. Descends en squat profond, 1, 2, et tu ramènes. Allez, reste le plus bas possible si c'est difficile, que tu vois que tu tétanises, tu remontes tes jambes, et sinon tu t'arraches. Allez, encore. Fasse bien en arrière, c'est bien. Accroche-toi, redresse-toi si besoin, ça pique, ça arrache, on a la fin du training. 30 minutes non-stop. Allez, lâche rien. Encore. 15 secondes. Super. 3 écarts. Serré, normal, sumo. Serré, normal, sumo. Encore. 5, 4, 3,
2, 1, et yeah! Bravo, soyez fiers de vous, c'était une séance de la piquance aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les cuisses on fire, le booty on fire. Vous avez toujours le lien avec LPG pour encore plus de surprises dans la description. On se donne rendez-vous jeudi pour la prochaine séance upper body. Soyez fiers de vous, ciao ciao!